une pigo institution qui est dans le pays, PNH, la police nationale d'Haïti, une institution qui fondée en 1995. De 1995 à 2020, ça fait environ, à 2021 bien sûr, ça fait environ 26 l'année depuis gros institution ça l'y créé. Une institution qui a pour mission protéger et servir. C'est mission ça que chaque grand policier croisé dans la rue a gagné. C'est sous ça qu'il a prêté serment. Protéger la population, hein? Protéger bien yo, et puis il est là pour servir la population, hein? Servir le pays. Mais ces derniers jours, la police nationale là, est complètement divisée. La vive moment qui pin noir dans l'histoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous tous d'accord avec elle. C'est la première fois dans toute histoire PNH là que la connaît un moment pareil. Comment fait nous arriver là? Comment fait Jodia ça arriver fait en 2021? Au lieu pour institution ta grandi, c'est baisser la baisser. En pile chef la police passé dans tête li. Il connait en pile. Et surtout ça toujours lié avec question politique. Et d'ailleurs, c'est une plus gros faille institution ça gagne, c'est parce que il gagne main politique et sous lui. Normalement la police c'est l'auxiliaire de la justice. Donc police là t'as supposé au service de la justice, mais le plus souvent par manque de moyens ou bien manque de professionnalisme. Monsieur politicien, leur grand pouvoir utiliser la police là. Jean Yovlé, Jean Hôpitaux, donc la police a raté avec mission. Mais juste ça, elle a vu une plus grave, mesdames, messieurs. Je ne vais pas retourner sous causer Village de Dieu. Je ne vais pas retourner sous causer qui passait Village de Dieu. Je ne vais pas parler aujourd'hui de policiers qui ont plaidé tombé chaque jour. Je voulais porter l'accent sous Ongren Bagay. Sous l'équipe qui a dirigé la police. Nous remarquons depuis quelque temps, en pile, policiers a manifesté dans la rue. Il a proclamé droit. Il y a des syndicats qui créent. Il y a des qui n'ont pas d'accord dans le temps. Ils ont créé des syndicats pour capable porter des revendications pour les policiers qui économiquement très vulnérables. Comme il y a touché, il n'y a pas qu'à répondre à besoin. Mais si on n'a pas moyen pour fonctionner normalement, on ne peut pas gagner respect. Il y a plusieurs policiers qui sont tombés ces derniers jours et n'a pas attiré l'attention sur un policier qui est tombé particulièrement dans le jour ça là. C'est un policier qui relait monsieur Jean-Daniel Michel. Jean-Daniel Michel, monsieur mouri le 17 mars 2021. Dans l'article que m'appelle là ou qui devant moi là, il dit que des hommes lourdement armés ont assassiné par plusieurs balles un agent de l'unité départementale du maintien d'ordre, UDMO, à Simonpelé, le 17 mars. Il dit deuil au sein de la police nationale d'Haïti. Normalement, c'est à supposer deuil au sein de la police nationale d'Haïti. Mais ce n'est pas le cas, mesdames, messieurs, parce que peu de temps après Zaxa qui passait là, quelques jours après, La police a sorti une note. Au lieu pour les dénoncer auteur crime ça, au lieu pour dénoncer monde qui commet zak malhonnête ça, dans texte là, ou senti quelque part la police a plus à essayer enfoncer policier, montrer policier t'es mouri dans mauvaise affaire. N'a pas son contextualiser ça n'a dit là. Non, jour que ça passé là. Dans ce route aéroport là et tout près zone Simon Pulia. Dans Universal Motors, tu as un groupe monde qui t'a envahi Universal Motors côté au pillé, yo prend en pile machine. Yo boulé ça rejoindre et yo font pile des ordres. Mais c'était suite surtout avec un groupe mouvement que tu as fait dans même joueur qui c'est
Fantôme 509 qui t'a organisé. Le Fantôme 509, son groupe policier qui soulevait contre l'institution par rapport avec Jean et l'institution à diriger. Maintenant, le ça fin fête, tout le monde pointait du doigt G9. Après, par la suite, policier Sam Dabdi Talua, Jean-Daniel Michel, là, il va mourir par la suite. La note là, mais ça la police dit pour parler de Jean-Daniel Michel qui mourit. La police confirme la mort par balle du policier Jean-Daniel Michel qui participait au pillage de Universal Motors. C'est-à-dire, il dit que la police apprend nouvelle que Jean-Daniel Michel mourit par balle parce qu'il a participé dans le pillage, ou pendant qu'il a participé dans le pillage qui a fait dans Universal Motors. Contrairement avec ça qui a circulé sur les réseaux sociaux, parce qu'il dit monsieur mourit, c'est peut-être le cas en Tibouroute qu'il a gagné dans la zone. Là. Okay? Le fait que chef gang village et Simon Pelé a mouru, il a joué monsieur, il a tiré revanche sous monsieur. C'est toute ça information dit. Et en pile, monde a pris les informations sur Internet. Là. Mais la police dit un bagage qui est différent. Est-ce que nous avons un policier dans pillage là? Non. Est-ce que ça que tu as fait là, tu as un Fantôme 609 là-dedans? Selon l'information que tu as, Fantôme 609 tu as quitté la zone, ça fait longtemps. Donc, premier ligne là, nous a dit que le contraire avec tout ça qu'a dit sur Internet là. Donc, quelque part, nous senti que la police n'est pas fin trop correct dans ce qu'elle a dit. Il dit que la riposte des gangs de Simon Pelé volant au secours de l'entreprise a fait environ 3 morts. C'est-à-dire, il dit comme ça que gang Simon Pelé a porté secours avec l'entreprise là. A porté secours à l'entreprise là, ça fait environ 3 morts. C'est quand même quelque part, il salue monsieur yo pour action pour selon la police, action que base gang a fait là. Côté trois moun mouri, li pren komyon en belle action, en gros action, parce que justement, li dit comme ça que la riposte des gangs de Simon Pelé volant au secours de l'entreprise a fait environ 3 morts, dont le chef de gang de Pelé, Israël, touché mortellement au cou. La police enquête sur la mort probable d'autres policiers qui ont participé à ce pillage. C'est-à-dire, quelque part, le cadavre de ce policier n'est pas intéressé la police nationale d'Haïti. D'ailleurs, il n'a pas sorti une note officielle pour ta saluer mémoire policier. Ça. Au lieu pour ta saluer mémoire policier, nous sentons quelque part y a accusé de vol, de pillage, de tout zac. Et pendant, de notre côté, il a honoré gang Simon Pelé. Mesdames, messieurs, pour qui ça n'est-ce arrivé dans niveau ça? Une institution aussi noble que la police pour n'est-ce politiser à un point tel côté, quelque part, dirigeant la police a protégé bandits et puis il a enterré les policiers ou bien il a accusé les policiers. Juste parce que il voulait retirer ça que ce fait là sous dos G9. Il veut la guerre sous Fantôme 609. Je pense après le massacre qui s'est fait au village de Dieu, à côté, 5 policiers mourir. La police a été pour un gros coup. Mais monsieur, ça l'a fait dans le jour ça, monsieur, prouver que nous pas à la hauteur de tâche nous. Gardons communication nous sortir là, gardons notre nous sortir là. Il veut dire pile parole, ça veut dire clairement que nous pas bail en quelle importance avec un policier qui a bataille chaque jour, un policier qui a. Un vrai point sur ça, ça pas important pour nous, monsieur. Sans sérieux. Li pas qu'arriver dans un niveau pareil, parce que la police, c'est une institution républicaine, li supposé protéger. Donc, je pense que, bah, la li clair aujourd'hui, là, que nèg prioriser la police et la politique, nèg protéger pouvoir yo par tous les moyens. Et je pense que aujourd'hui, là, population supposé prendre note pour être capable d'agir en conséquence, parce que li pas normal, mesdames, messieurs, pour. Des groupes moun, n'a par exemple directeur de la police qui pat policier pendant plusieurs temps, que aurait Elvin font job politique parce que monsieur pat policier. Là monsieur rivé, monsieur a crasé institution pack en pack mélangé avec l'autre monde qui a
humilier les policiers qui en face yo, qui mettent yo en prison arbitrairement, qui fait X, qui fait Y. Donc c'est pas normal, mesdames, messieurs. En tout cas, c'est triste quand même de voir notre pays Haïti arriver dans un stade ou encore dans un point pareil. Mesdames, messieurs, merci, c'est un plaisir pour vous être avec nous. J'espère que on a partagé la vidéo, on a quitté les commentaires. Donc, c'est Kader le métronome. Pas oublier, abonner avec la chaîne YouTube là.